Bienvenue chez Alphonsine Shopping et Bricolage. Voilà. Salut tout le monde, deuxième partie de ce vidéoblog de l'ouverture de ma boutique éphémère. Alors aujourd'hui je suis dans mon ancienne chambre et en fait c'est marrant parce que c'est exactement sous cet angle là que j'ai tourné mes premières vidéos YouTube d'unboxing Lolita, vidéoblog un petit peu tout pourri quand j'avais 19 ou 20 ans, je sais plus trop. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire ma petite vidéo en français avec les petits sous-titres pour mes amis étrangers. Le programme d'aujourd'hui, c'est nettoyage, remise en état des meubles qu'on va utiliser dans la boutique. Allez, c'est parti! Aussi décoiffé que moi. Et voilà, première étape terminée, nos deux jolis petits meubles. Enlève l'autocollant des années 70. Ouais, les gens. Parce que les gens, dans les années 70, ils collaient des autocollants à motifs au fond des tiroirs. Ouais, parce que le meuble de mamie, il faisait trop vieux, alors du coup, il fallait le moderniser. C'est une merde à enlever. Bon alors ça pue et ça fait rien, c'est ça? Je sais pas, il faut les suivre avec un chiffon pour voir. Attends. Le rapport odeur-efficacité, il est pas très présent. Ouais, mais si c'est vieux et que ça existe toujours, c'est peut-être efficace. Demande à ton grand-père. Ouais, la nouvelle chaîne de bricolage bientôt sur YouTube. Alors sous les poignets, il y avait une serrure.
Donc en fait on pense que le meuble il est beaucoup plus vieux que ce qu'on croit et qu'il a déjà été customisé plusieurs fois. Je pense que le meuble il est du 19e siècle. Le meuble doit être du 19e et les poignées datent des années 40-50. Et l'horrible tapisserie. Et l'horrible tapisserie de l'intérieur des années 70. Probablement 60 ou 70. On remercie mamie et papy qui ont tout gâché parce que les tiroirs ils collent et c'est affreux. Alors, c'est une armoire des années 30 ou 40 qu'on a trouvée pour seulement 20 euros chez Emmaüs. Et pour faire joli sur le côté, on a remonté les portes à l'envers, comme ça, ça fait un peu d'écho. Qui sera transformé en rayon vêtements. Et ça va être trop trop beau. On est en train de mettre un ruban à LED qui fait tout le tour de l'armoire pour pouvoir éclairer l'intérieur des étagères. Bon, ça clignotera pas. Hein. Ouais. Bon alors là on est en direction de Mulhouse, on va aller faire un tour à la boutique pour prendre quelques mesures de l'extérieur parce qu'on va aussi faire une déco à l'extérieur. Et pour l'instant je suis contente parce qu'on a bien avancé sur les meubles, on a même presque terminé en fait et ça c'est vraiment cool. Il s'appelle Michel, il était employé communal mais il a eu un accident avec une tondeuse. Regarde. C'est pour ça qu'il manque ses pieds. Il s'est fait couper les pieds et un jour à la déchetterie, on l'a trouvé. Et depuis, il est sur le tableau de bord de notre voiture et il voyage. Il fallait faire une deuxième vie. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, alors je vous dis à bientôt pour le prochain épisode où on verra les derniers détails, l'installation et l'ouverture de la boutique. Je vous rappelle qu'on ouvre le 3 avril, je vous mets l'adresse en description et puis au plaisir de vous voir.